Moi, mes vues, en 3 secondes, je crois que je suis à 10 000. Enfin, alors, je peux pas. Moi, si, même par erreur, si ça reste 3 secondes, ça va se voir. Donc, je peux pas. Hello, c'est Weshden, on va voir ce qui se passe dans mon téléphone. En ce moment, c'est TikTok, parce que c'est divertissant, je trouve. Franchement, quand je suis sur TikTok, c'est plus sur le fil d'actualité. Après, les trends, elles arrivent devant moi et c'est là où je découvre. J'aime poster ce que je fais, ce que je fais quotidiennement, j'aime poster mes voyages, mon travail, mon quotidien, un peu tout. Bah, en vrai, c'est des voyages. Il y a une personne qui fait les quatre coins du monde et tout, je sais pas, j'aime trop. On dirait une folle des voyages, mais j'aime trop. Je sais pas, peut-être c'est de ma famille, je pense. Ça doit être mes sœurs. J'ai follow mon ingé son sur Instagram. La personne la plus stylée qui m'est follow, c'est Jean-Paul Gaultier. Je suis apparue dans leur dernière campagne, donc la cyber qui est sortie. Et depuis, on collabore et il m'a follow. La plupart de mes photos préférées, c'est quand je suis pas en France. Je sais pas pourquoi. Quand je suis en France, j'aime pas trop mes photos. Et puis quand je suis ailleurs, j'ai l'impression que j'ai plus d'inspiration niveau Instagram. C'est Baderfilm, son Instagram, Baderfilm. Quand il est là, c'est lui. Ou quand il est pas là, c'est les personnes autour de moi. Non, jamais. Oh, ça m'est jamais arrivé. Et je pense que si ça m'arrive, je pleure. Parce que moi, mes vues, en 3 secondes, je crois que je suis à 10 000. Enfin, alors, je peux pas. Moi, si, même par erreur, si ça reste 3 secondes, ça va se voir. Donc, je peux pas. Il y a un compte que je follow. Ça s'appelle Visual Image. Et en fait, c'est un Instagram qui poste que des endroits épurés. Et moi, j'aime trop ça. Je sais pas pourquoi je follow ça, mais je regarde ces images tout le temps. Oui. Oui, j'en ai un, mais c'est mon compte privé, donc c'est privé. Ah non, je stocke pas parce que ça se voit que c'est moi. Du coup, c'est juste pour mes amis, mes amis très proches, ma famille proche et tout, et je mets un peu tout et n'importe quoi dedans. Ah ça, je peux pas le dire. Trop bizarre. Vas-y, je passe. C'est compliqué parce qu'ils sont beaucoup, 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 mais j'essaie de répondre au maximum. Et puis, quand je réponds, le problème, c'est qu'en fait, quand tu réponds, il faut engager une discussion. Et tu peux pas à discuter avec 10 000 personnes à la fois, et ça c'est très compliqué. Du coup, ça me fait mal de répondre et de plus répondre après. C'est compliqué. Oui, vraiment constamment, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y en a plein de développements que je connaissais pas et que je découvre à chaque fois avec des covers et tout. Ou bien, quand ils font leurs titres, c'est tout le temps. Mais en vrai, c'est un moyen de communication, les réseaux, donc c'est là qu'on va voir, c'est là qu'on découvre tout. C'est un sac. Petit coup de cœur de pour celui-là. Oui, très joli. Subway Surfer. Je joue toujours à Subway Surfer. C'est un garçon qui essaie d'échapper à la police et il a des obstacles. Du coup, comme ça, on doit récupérer l'argent, il doit sauter, etc. Comme ça. Et je joue toujours. Et je débloque des niveaux et puis voilà, c'est trop bien. C'est trop bien. 7 heures par jour. Ça va, non? C'est trop. Ouais, c'est mon outil de travail. Mais en vrai, sans téléphone, on ferait quoi? Si t'as pas de téléphone, qu'est-ce que tu fais? Comment tu contactes les gens? Comment si, comment ça? Comment tu prends ton GPS? Enfin, genre tout ça. Tu vois, c'est la vie aussi, le téléphone, hein.